Hey, salut les passionnés, c'est Lord Authentique. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me trouve en Suisse, voilà, donc je suis dans le canton de Vaud, voilà, canton de Vaud, sur la commune de Allaman, voilà, donc on est plutôt vers tout à l'ouest de la Suisse, pas loin du lac Léman, un peu plus au nord par rapport à Genève, voilà, un peu plus au nord, voilà. Et donc on va faire cette balade sur la journée du samedi 14 septembre. La météo au niveau du ciel est plutôt pas mal, donc le ciel s'est dégagé. Par contre, les températures sont super fraîches, mais ça en France c'est pareil, hein, franchement. Première semaine de septembre 2024, ça a chuté, c'est une catastrophe. Bon, je tremble un petit peu comme une feuille. Donc voilà, je vais vous montrer cette journée, et puis avec tous les participants, on doit être au moins peut-être une bonne quarantaine de sexes, minimum. Allez, c'est parti pour cette journée avec l'association VeloCycle Schweiz. Allez, c'est parti, on continue. Bon, ben voilà les passionnés, ça y est, on va démarrer. On a eu les instructions avant départ. Donc là, tout le monde a enfilé son casque. Donc des casques, des vrais casques, enfin pour la majorité, puisque on va aller en direction de Divonne-les-Bains en France, voilà, Divonne-les-Bains pour le repas. Et avant, on va aller sur la commune de Vinzelle, voilà, il y a un château avec un domaine viticole. On va faire une petite pause, voilà, pour déguster du vin suisse, voilà, on va en profiter. Donc, allez, c'est parti pour cette journée. Allez, hop, c'est parti, let's go. Impeccable. J'ai enfin réparé mon 5000 parce que je voulais venir à Chambly avec, ah mais oui, j'avais entendu dans ta vidéo. Ouais. Et finalement j'ai trouvé la panne, tu sais, le frotteur en feutre, il était encrassé. Il fallait simplement le décrasser pour que ça fonctionne. Attends, merde, faut que je prenne mon porte-monnaie. Ah oui, si tu veux le resto, ouais.
bon, voilà les passionnés, ça y est, on est arrêté sur la commune de Vinzelles. Voilà, Vinzelles, pour la petite pause. Il y a certainement une petite pause dégustation au vin, parce que juste là, bon, il y a les Solex qui sont là, tous les participants. Il y en a encore d'autres qui arrivent, voilà. Voilà, donc ça, tu vois, ça, c'est un Solex qui est une norme suisse. Donc, optique de phare en vert à l'avant. Et tiens, je vais te montrer les vignes. Moi, je suis un grand amoureux de vin. Un grand amoureux de vin, voilà. Voilà, avec les belles grappes, les grosses grappes d'ailleurs. T'as vu la taille, là, regarde la taille de ma main, regarde la taille des grappes. Les belles grosses grappes, voilà. Donc en plein cœur viticole suisse, voilà, dans le canton de Vaud. Toujours dans le canton de Vaud, voilà. Donc je vais te montrer la suite. Et puis là, on est arrêté pour la pause. Bah les passionnés dans les petits coins bar dégustation du château de Vinzelles. Voilà, toi tu as une petite bouteille de démonstration, voilà, qui est ici, voilà, avec la documentation, voilà, encore les bouteilles du château de Vinzelles, voilà, une grande bouteille, alors capacité 1,5 litre, voilà. Et puis des bouteilles de l'époque, château de Vinzelles, 1990. Ah, tu vois, je pensais que c'était plus vieux que ça, j'avais pas vu l'année. 1990, donc à cette époque, en 90, j'avais 9 ans. Voilà, aujourd'hui, j'en ai 43. Voilà. Bon petit coin bar, dégustation du château de Vinzelles. Voilà. Et puis là, dehors, là, il y a la cour avec les participants qui sont là. Voilà. Bon, petite pause, et puis après on va aller en direction de la France, parce qu'on est toujours en Suisse, de la France, sur la commune de Divonne-les-Bains. Allez, on continue. Allez, c'est parti. C'est là qu'on se rend compte que le Solex a été vendu un peu partout en Europe. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, tous mes grands-parents. Allez, c'est parti. Thank you.
Bon bah les passionnés, petite pause, petit point rassemblement. On est dans Divonne-les-Bains, ça y est, on est en France. Alors ma petite surprise, je pensais que Divonne-les-Bains c'était la Haute-Savoie. Mais non, c'est l'Ain. C'est l'Ain, si tu veux, c'est le même département où il y a Griège. Donc on a l'extrême est de l'Ain. Et puis Griège, où je fais la course, c'est l'extrême ouest de l'Ain. De l'Ain, voilà. Tu vois, ma belle surprise. Et je pensais pas que l'Ain avait une frontière avec la Suisse. Donc bah, c'est une surprise. Donc là, dans Divonne-les-Bains, il y a tous les Solex Cura de tous les participants. Voilà, qu'on est là. Donc c'est le point de rassemblement. Et entre francophones, on va dire suisse francophones et français, on va se retrouver ensemble pour aller manger ensemble. Voilà. Pour ne pas être trop embêté avec la barrière de la langue, parce que la majorité des participants sont germanophones. Voilà. Et du coup, on va se retrouver ensemble. Allez, c'est parti pour la pause déjeuner. Allez, c'est parti. Bon bah voilà les passionnés, ça y est, on a mangé, c'est bon. On était dans un petit restaurant asiatique. Moi c'est pas mon truc, tu vois, le restaurant asiatique, je me suis limité à une salade, basta. Pas de truc carnaire laqué ou autre, voilà, c'est pas mon truc. Donc là on est avec le petit groupe de solexistes francophones, voilà, avec deux Français qui sont de Meurthe-et-Moselle. Et moi je suis bien sûr de la Haute-Marne. Donc voilà, là on va se retrouver au point de départ pour tous les participants de la sortie de organisée par l'association Vélo Select Schweiz. Voilà. On va se retrouver sur la place, comme une grande place, enfin un grand parking au bord d'un étang de Divonne-les-Bains. Route de retour vers les Suisses, en direction de Alamans. Voilà, Alamans, canton de Vaud. Allez, c'est parti, on y va.
Bon bah voilà les passionnés, ça y est, on fait de nouveau une pause. On est à Nyon, N-Y-O-N, voilà, Nyon. Voilà, petite pause. Donc voilà, tous les Selex sont là, voilà, garés ici, voilà, au bord du lac Léman. Et si je dis pas de bêtises, là-bas, par là, derrière le bateau, ça va être Thonon-les-Bains, je pense. Ça va être Thonon-les-Bains qui doit être là-bas. Il faudrait que je me rapproche. Voilà, faudrait que je me rapproche. Je vais peut-être aller sur le ponton, tiens. Comme ça on verra mieux. Je vais montrer ça. Ouais. Ici on est toujours, donc on est de nouveau en Suisse. Et en fait la commune d'Yvonne-les-Bains, elle est entourée par la Suisse. Donc ça on le voit. Tiens, je vais me rapprocher. Voilà. C'est tout là-bas. Là-bas. Où il y a les bâtiments. Où il y a des immeubles, tout ça. Ça va être très certainement Thonon-les-Bains. Et ça va être la côte française. Voilà. Du lac Léman. Là, on est là au bord du lac Léman. Voilà. Ça, tout ça, ça va être la côte française là-bas. Et puis là-bas, au bout, bah, ça va être Genève. Enfin, c'est Genève, j'ai des bêtises. Au bout du lac, c'est Genève. Voilà. Voilà. Et puis à l'extrémité du lac, hein, c'est Montreux. Allez, voilà. Voilà. Et voilà, donc Thonon-les-Bains se trouve là-bas. Donc on fasse, c'est la France, avec les fameux monts de Savoie, voilà. C'est la Haute-Savoie tout là. Tout ça, c'est les monts de Haute-Savoie, voilà, qui est en face. Et là ici, bien sûr, je le redis, on est côté Suisse. Bon allez, on va faire une petite pause. Et tiens, pourquoi pas manger une petite glace. Allez, c'est parti, on continue pour cette balade et on reprendra après 15h30 la route direction à l'Amant. Bon ben voilà les passionnés, fini la pause, fin de la pause, donc il y en a quelques-uns déjà qui sont partis, les autres vont aussi partir là, voilà. Donc retour à l'Amant, donc j'ai enfilé mon casque et puis on va retourner à l'Amant et après il y aura une bonne petite soirée à l'Amant. Allez, c'est parti. Bon bah voilà les passionnés, ça y est, on est de nouveau à l'Amant plage. Enfin, le lac n'est pas très loin, voilà. On est de nouveau sur le domaine de la Pommerie, voilà. Domaine de la Pommerie. Avec tous les Selex que là, ça y est, fin de la balade, donc c'était super sympa. Mais c'est pas fini pour autant, puisqu'il y aura une petite soirée au domaine de la Pommerie. Moi j'ai participé, j'en profite, de toute façon je repars le lendemain dans ma ville à Chaumont, en France. Voilà, parce que là ici on est en Suisse. Et je vais vous montrer la suite. Voilà, super balade, super sympa. Par contre, venteux, très très venteux. C'était surtout quand on l'avait de face le chemin du retour. Du départ depuis Nyon, oh là là, c'était pas facile, hein. Pas facile avec ce vent de face qui freinait beaucoup. Bon allez, on continue quand même sur la vidéo. Bon ben voilà les passionnés, la fin de journée de samedi 14 septembre continue. On est au bord d'un petit port éloigné de tout, au bord du lac Léman comme d'habitude. Voilà. Alors, le lac Léman qui est juste là, voilà, avec l'eau claire et translucide, ça c'est beau. Voilà, la France en face, puisqu'on est toujours en Suisse, voilà, la France en face avec les monts de Savoie, les montagnes de Savoie françaises, voilà, c'est magnifique. Hop, je te montre ce petit coin, voilà, un petit port, voilà, isolé, bien sympathique. Voilà. Puisqu'on est sur la commune d'Alamant, ça va être le petit port d'Alamant, je pense. Voilà. Petit port d'Alamant. Voilà, avec les bateaux qui sont là. C'est pas un grand port. Mais voilà, ça a le mérite d'être vu. Vraiment sympa. Hop, voilà. Ah ouais, vraiment l'eau est claire, on voit le fond. Hop, je zoome un peu. Je rapproche le plus près, on voit le fond marin, tu vois. Je sais vraiment que l'eau elle est vraiment claire, quoi. L'eau elle est potable. Voilà. Voilà, c'était le petit délire. On est parti de la Pommerée, on a traversé les bois en Selex, même sans casque.
toute façon en Suisse ils sont pas trop regardants, puisque les Solex, je précise que ne sont pas des cycles moteurs mais des vélos moteurs, c'est pas classifié pareil. Donc en Suisse tu as le droit de rouler sur les pistes cyclables avec des Solex, donc ça c'est pratique et voilà, c'est une bonne chose. Et du coup ça choque pas du tout que de rouler sur les pistes cyclables en Solex en France. C'est pas autorisé mais c'est toléré, voilà, c'est toléré. Faut dire qu'on va pas très vite non plus hein. Si on devient déjà à 30 c'est le maximum. Déjà moi avec mon Solex Samy, je me suis aperçu ce matin sur du descendant 36 km/h. Oula, la violence, 36 km/h, voilà la violence. Mais voilà, si vous venez en Suisse et que vous roulez sur les pistes cyclables en Solex, c'est tout à fait autorisé, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va se continuer cette journée de samedi, ce n'est pas terminé, il y aura une soirée, voilà. Il y aura une soirée. Et puis ça va être sympa, voilà. Faut en profiter, voilà. Moi je suis bien content de venir en Suisse. Hein, voilà, bon, en face, voilà, il y a la France, voilà, qui est là-bas. Mais voilà, côté Suisse, du côté Lac Clément, ça fait vraiment plaisir, voilà. Ça fait vraiment plaisir. Bon allez, on continue. Bon voilà, ça y est les passionnés, on est à table, voilà, on est en train de se restaurer, on a fait un petit quiz bien sympathique autour du canton de Vaud, de la Suisse, autour du Solex et autour aussi de l'association. Donc voilà, sur l'assiette, voilà, les gens sont installés, voilà. Voilà. Bon appétit à tous, voilà. Voilà, donc installé avec une belle petite cuisine, voilà, comme ça se passe ici. Cuisine, voilà, ils sont en train de servir les repas. Voilà. Et le repas, voilà. Une petite viande, un fagot d'haricots verts, des linguines, voilà, chercher le nom, des petites linguines, voilà, c'est bien sympathique. Et du coup, c'est le temps de manger, on va se restaurer. Allez, bon appétit. Les passionnés, c'est la fin du repas, donc on a bien mangé, on a très très bien mangé, c'était avec de l'abondance, très sympathique cette cuisine, ce plateau repas, et voilà avec les comparses juste suisses jurassiens qui sont juste en face de moi, la fatigue commence à se faire sentir, voilà, on est peut-être 21h, 22h, il est temps pour moi de retourner sur le camping de Morges, voilà, une commune en Suisse, dans le canton de Vaud, pour me reposer et retrouver ma tante, et je m'en irai que le lendemain. Mais en tout cas, voilà, c'était cette journée en Suisse, pour cette balade en Suisse, organisée par l'association Vélo Solex Schweiz. Bon, j'ai le mal prononcé à la germanophone, parce que je n'ai pas fait de cours d'allemand. Hélas, je n'ai pas fait de cours d'allemand. Mais en tout cas, je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus! Merci de votre attention. Pour me soutenir, mettez un j'aime, laissez un commentaire, partagez la vidéo, laissez un pourboire si vous appréciez mes vidéos, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.